David, on sait qu'atteindre les play-offs 1, c'est désormais plus possible, mais est-ce qu'on peut dire que pour autant le match de dimanche n'aura pas d'enjeu ? Il n'aura pas trop d'enjeu, mais on aura à cœur de quand même bien finir cette saison. Je pense que c'est important, d'autant plus qu'on joue peut-être la meilleure équipe de Belgique devant notre public. Donc je pense qu'il faudra faire bonne figure déjà pour nous, mais aussi pour les supporters, pour qu'ils continuent à croire en nous, malgré cette non-qualification en play-off 1. Justement, les supporters, on sait qu'ils sont déçus. Est-ce que vous redoutez de jouer dans un climat un peu particulier ? Le climat particulier, il y sera. De toute façon, on le sait. On le redoute forcément un peu. Mais voilà, on essaiera de faire bonne figure pour qu'on arrive à retourner cette situation. Et ils sont déçus, mais on est les premiers déçus aussi. La Gantoise vient d'être éliminée de la Ligue des Champions. Est-ce que justement, elle ne va pas encore plus se reconcentrer sur le championnat ? Et justement, est-ce que ce ne sera pas encore plus difficile pour vous ? Bien sûr, maintenant on n'a pas les mêmes objectifs entre Gand et Charleroi. Gand va essayer de garder son titre. Donc ils vont venir ici conquérants, vouloir prendre les 3 points. Mais je pense que nous, on va vouloir faire aussi bonne figure, essayer de gagner, comme je dis tout à l'heure, pour nous et aussi pour les supporters. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be/rcsc.